Les entretiens du marquis. Bonjour à tous. Pendant que Davos récompense DiCaprio, et eh bien, et eh bien, Bruno Le Maire rêve de FMI. Ce qui explique beaucoup de choses, évidemment, sur sa position sur la réforme des retraites. J'y reviendrai en deuxième partie d'émission. Et puis, vous avez été très, très nombreux à réagir sur ma vidéo d'hier et vous m'avez en quelque sorte reproché de ne pas parler de l'agenda de Davos 2030. Vous savez, euh, lorsque Klaus Schwab avait écrit, d'ailleurs ils avaient tourné un clip vidéo, comment en 2030, eh bien les citoyens du monde ne posséderaient plus de maisons individuelles, ils n'auraient plus d'automobiles individuelles, ce seraient des cités à intensité heureuse, hein, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Vargon. Et eh bien pour une raison simple, c'est que cette vidéo je l'avais déjà faite, donc il me semblait intéressant de refaire un point sur le Davos 2023. Et ce que l'on constate dans le Davos 2023, c'est qu'il y a une certaine inflexion de leur projet. On a l'impression que le Davos 2030, c'est presque terminé pour une raison simple. C'est-à-dire que la première étape qui consistait à contrôler le monde et mettre une gouvernance mondiale à l'issue de la crise, la crise Covid, eh bien, ça a été un échec pour eux. Hein, où la gouvernance mondiale n'existe pas. Et nous voyons très bien que la crise du Covid est en train de marquer les esprits. Nous avons encore des, des nouvelles assez intéressantes qui montrent que tous les complotistes avaient bien raison contre ceux qui faisaient de la propagande. Voilà, ça sera en fin d'émission notamment. Alors, il y a une réalité du, de ce Davos 2023, c'est que ce sont des gens extrêmement riches, immensément riches, qui se rendent à Davos. Et ils se rendent comment Eh bien, ils se rendent en jet privé, un ballon des avions et jet, 1000 vols supplémentaires à Zurich. Cela correspond à peu près à la consommation en essence de 350 000 voitures et une consommation annuelle bien évidemment. Donc ce sont des très très riches qui sont en train de décider du sort de la population mondiale. Hein. Ils avaient comme conseil de manger des insectes, de nous priver d'une grande partie de l'abondance énergétique. Bref, il faut que les populations se privent, tandis qu'eux... Eh bien, ils voyagent en jet privé et mènent la grande vie. Voilà. Bon, il y a quelque chose de véritablement insupportable déjà dans Davos 2030, 2023, pardon. Alors, ils ont besoin de rendre ce côté sexy. Hein, vous le savez bien, ils ont besoin de rendre ce Davos 2023 sexy. Eh bien, le meilleur moyen, c'est de faire venir des stars hollywoodiennes. Hein. Leonardo DiCaprio sera récompensé à Davos pour son engagement en faveur de la planète. Et puis. Il ne sera pas tout à fait le seul. Il y aura Luc Besson, Matt Damon et Bono, dont j'ai parlé dans un précédent numéro. Donc il faut rendre sexy ce qui est absolument infâme et les stars hollywoodiennes se prêtent au jeu. Ce qui d'ailleurs nous oblige à penser qu'une grande partie du showbiz, et nous le voyons en France, est du côté. Bah, évidemment du World Economic Forum. Hein. Il suffit d'entendre nos stars sur les petits plateaux hein, qui nous invitent toujours à nous faire vacciner, à obéir à Macron et nous expliquer que c'est pour notre bien. Bon, c'est le même discours qui est tenu par le World Economic Forum. Nous ne, é... nous ne sommes pas étonnés. Mais je voudrais revenir sur une information qui me semble importante. Euh, le système est en train de craquer de partout. Le système ultralibéral qu'ils ont conçu dans les années 80, qu'ils ont mis en place avec la construction européenne et la connexion entre l'Europe et les États-Unis, ça craque de partout. Il n'y a que des déficits. Il n'y a que des populations en colère. Il y a des, même des dirigeants qui ne savent plus comment répondre aux attentes de leur population. C'est-à-dire que ce Davos 2023 ne se projette même plus à l'horizon 2030. Hein. Non il, leur objectif, c'est de réparer les erreurs qu'ils ont déjà commises il y a un ou deux ans, c'est-à-dire la crise du Covid, nous avons de très nombreuses révélations, mais aussi la crise ukrainienne. Ça ne se passe pas comme prévu. Ils avaient pensé qu'avec les sanctions et les pressions, la Russie s'effondrerait. Eh bien, non seulement la Russie ne s'effondre pas, mais elle tient tête et elle va certainement gagner la guerre. Nous avons de plus en plus d'indices dans la presse américaine que Zelensky est quasiment... Fichu. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette information en fin de journal. Voilà. Donc, c'est un Davos un peu panique. Alors, ils ont beau essayer de le colorer avec le glamour hollywoodien, personne n'est véritablement dupe. Nous allons passer maintenant à la deuxième actualité, notre Nono Le Maire. Alors, Nono Le Maire, on va rappeler une nouvelle. En août... 2022, eh bien, il a reçu à Berlin la médaille de l'ordre du mérite. On peut en effet s'interroger cette, pour cette décoration. On pourrait dire toujours que c'est un ami de l'Allemagne, bien sûr. Mais quand on voit le résultat de sa politique, c'est-à-dire qu'il a privilégié systématiquement les intérêts de l'Allemagne au détriment de la France, là, on s'interroge. Il a reçu une médaille pour ses futurs services. En effet, il a sacrifié EDF, il a sacrifié les artisans français essentiellement sur l'autel de l'Europe et des intérêts, bien évidemment, des Allemands. En, en une autre époque, euh, il y avait un nom pour ce genre de personnes hein, qui préféraient l'Allemagne à la France. Et on peut s'interroger, mais pourquoi Nono, Nono le maire, a-t-il véritablement aucune empathie pour l'économie française, eh bien, regardez, il veut devenir président du Fonds monétaire international. En 2024, en effet, le mandat de l'actuel président du FMI, la bulgare Kristalina Georgieva, arrive à son terme en 2024. Et Bruno Le Maire cache de moins en moins ses ambitions. En petit comité, l'actuelle ministre des Finances avoue que l'option est bien sur la table. Alors, il nous fait une carrière à l'Astroscan, hein, président du FMI, puis après la présidence de la France. Donc, il a besoin de tous les appuis, de tous les réseaux, et notamment le réseau allemand. Et aussi le réseau du Fonds monétaire international. N'oublions pas ce que je vous ai dit précédemment, le Fonds monétaire international demande la réforme des retraites, comme l'Europe, comme toutes les institutions financières. C'est un gage d'ailleurs pour la France, pour revenir un petit peu dans le rang de, de l'Europe. Hein. On a bien compris que la France était marginalisée avec Emmanuel Macron, et eh bien on a dit, il faut, ils ont dit, il faut faire cette réforme. Et Bruno Le Maire est le plus fidèle. Partisans de cette réforme. Et nous l'entendons d'ailleurs sur les médias dire des choses qui ne le font pas rougir de honte. Pensez qu'il affirme que l'appauvrissement et le déficit ne sont pas un avenir souhaitable pour la France, c'est 10 milliards. La seule chose, c'est que Bruno Le Maire, en 7 ans, a augmenté la dette de la France de 800 milliards d'euros avec Emmanuel Macron. Et il justifie la réforme des retraites pour 10 milliards d'économies par la maîtrise de la dette et du déficit. Comme l'écrit l'excellent Phil Murer. C'est un foutage de, de gueule au plus haut niveau, au plus haut niveau, pardon. Il se moque de nous, ce Bruno Le Maire. D'ailleurs, lorsqu'il parle des 10 milliards, c'est très intéressant quand on regarde la vidéo. Il baisse les yeux, il a honte en fait. Il sait très bien qu'il est le responsable de la crise actuelle de la France. On ne peut pas avoir gouverné la France pendant 10 ans et ne pas être au-devant de son bilan. Mais il y a quelque chose, qui veut vraiment cette réforme des retraites Qui a piloté réellement la réforme des retraites Est-ce Bruno Le Maire Non, ce n'est qu'en quelque sorte du marketing Bruno Le Maire. Il se place juste comme euh, support de cette réforme des retraites. La véritable tête pensante, tiens, c'est Marguerite Cazeneuve, hein, très liée avec l'ancien Premier ministre, Cazeneuve, un hein, hasard certainement. C'est la tête pensante de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Hein. C'est son expertise sur la santé et les retraites. La santé les retraites, il y a bien quelqu'un qui est très très fort là-dessus, un cabinet conseil par exemple. Ah, bah évidemment, Marguerite Cazeneuve, elle est passée de McKinsey à l'oreille de Macron. Quand on sait. Je cesse de le répéter dans mes vidéos, je suis désolé de radoter, mais McKinsey et la Santé, normalement, le cabinet conseil McKinsey aurait, dit, aurait dû être dissous à l'issue de la crise des opioïdes en Amérique. Ils sont directement responsables de la mort de 500 000 Américains. Donc, normalement, McKinsey et la Santé, on ne devrait pas leur demander quoi que ce soit. Eh bien, si. eh bien, si, puisque nous avons appris, hein, c'est Alexis Poulain qui nous le rappelle, qu'en 2019 et 2020, le cabinet McKinsey a facturé 957 000 euros à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour préparer la réforme des retraites, et puis avec l'une d'entre elles, Marguerite Cazeneuve. Voilà où nous en sommes aujourd'hui sur la réforme des retraites l'intérêt du peuple français n'est absolument pas pris en compte, l'intérêt des salariés français n'est absolument pas pris en compte, ce n'est qu'une question de gros sous au niveau international. Et je vous avais souvent dit d'ailleurs l'intérêt de Blackrock pour le pour manger ce qui restera de notre système de retraite. Alors sans transition, nous allons passer à autre chose pour permettre cette réforme des retraites, je vous l'ai dit à, à, à d'une reprise il faut des artistes des artistes un système au service de Macron et eh bien nous en avons un avec la présence de Christophe de Chavanne Christophe de Chavanne nous le voyons aujourd'hui chroniqueur à la belle époque sur le service public ce qui m'a particulièrement agacé dans cette histoire c'est qu'un amuseur public comme de chavan qui n'a aucun fond aucune connaissance puissent parler d'un sujet aussi grave que la vaccination. Et qu'il se fasse, en quelque sorte, l'attaché de presse de Big Pharma, c'est hallucinant. En janvier 2023, les gens qui vont défendre le Big Pharma s'appellent De Chavannes. Par contre, ceux qui ont une véritable expertise sur le sujet, je pense au professeur Raoult, au professeur Perron, au professeur Henri Encode, hein, qui connaissent le sujet, ils sont évidemment chassés des plateaux de télévision. Et pour moi, il y a une suite logique, c'est-à-dire qu'avant, on avait Gilbert Doré, celui qui expliquait aux parents que s'ils ne faisaient pas vacciner leurs enfants, ils risquaient un Alzheimer et qu'ils l'avaient vu à l'IRM, ce qui est la plus grosse fake news, la plus grosse propagande, et ce qui a d'ailleurs contribué à faire que Gilbert Doré a disparu des plateaux de télévision. Eh bien, à ce charlatan, il ne pouvait y avoir qu'un guignol pour défendre la Picouse. De Chavannes, nous le voyons aussi être le larbin d'Emmanuel Macron. C'est effrayant. Mais comment pourrait-on s'en étonner Quel est D'ailleurs, Cyril Hanouna, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, a rappelé le montant des impôts qui sont consacrés au service public. C'est 4 milliards. 4 milliards d'euros qui sont distribués à des pseudo-journalistes, à des guignols, pour qu'ils nous crachent dessus... 24 heures sur 24. Il ne faut pas écouter France Inter, France Culture et toutes ces radios-là. C'est insupportable lorsqu'on aime son pays. 4 milliards d'euros. Bon, à partir de là, on a compris pourquoi euh, on crachait sur tous les partis d'opposition et, et on comprend mieux pourquoi tous ceux qui essaient de s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron sont ridiculisés par les journalistes. Alors il y en a un que je voulais aussi épingler aujourd'hui, puisqu'on est toujours... Euh, dans cette suite-là, c'est Patrick Cohen. Dans cet tabous. ça c'est le de Patrick Cohen. « Bah alors, Thierry Mariani, c'est Patrick Cohen qui parle dans sa vidéo, on relaie la propagande de la Russie en pensant que la vidéo ne sera pas diffusée en France. Malgré son interdiction, RT continue de relayer la désinformation dictée par Poutine depuis Boulogne. » Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Patrick Cohen cite comme exemple Philippot et la manifestation parce que RT parle de la manifestation de Philippot. Aucun média main mainstream de la presse aux ordres en parle. RT parle. « Oh là là, c'est de la propagande poutinienne. » J'ai accès à RT, je ne vois pas en quoi, quand on lit RT, hein, ils sont très 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 mesurés, euh, on a de la propagande poutinienne. Par contre, par contre, lorsqu'on écoute Patrick Cohen, alors là, on a de la propagande à un niveau stratosphérique. C'est quand même le gars Patrick Cohen qui a invité systématiquement tous les charlatans sur son plateau de télévision, et notamment ce fameux Gilbert Deray, qui avait quasiment son rond de serviette. Nous l'avons vu insulter le professeur Raoult et diffuser des fausses informations, notamment en expliquant qu'il avait été condamné le professeur Raoult, ce qui n'a jamais été le cas. Ça, c'est une véritable fake news. C'est quand même Patrick Cohen qui a accusé le professeur Raoult de ne pas fabriquer de vaccin, d'être pas au service de la vaccination, alors que l'IHU de Marseille n'a jamais été prévu à cet effet et que le professeur Raoult n'est pas spécialiste de ce genre de choses. Patrick Cohen est un menteur professionnel. Mais comment s'en étonner Il est gavé d'argent public, donc il fait le larbin de service. Mais surtout dans sa vidéo, ce qui est le plus gênant, et quand on la regarde, c'est la connivence avec les autres journalistes sur les plateaux. Il parle de Filippo, il ricane. Il parle de Thierry Mariani, on les sent <laughs> avec leur côté bien sûr d'eux. Par contre, relayer la propagande qui vient, qui est là encore, qui n'a plus rien à voir avec la, la réalité, ça, ça ne les dérange pas. Soutenir la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, ça, ça ne dérange pas Patrick Cohen. Et puis, il faudra quand même rappeler à Patrick Cohen quelques réalités, hein, toutes les fake news qu'il a pu dire sur cette, euh, sur cette fameuse vaccination. On va d'ailleurs en rappeler une qu'il a quand même pas mal diffusée, et aujourd'hui, c'est le Washington Post qui fait du débunkage. Le nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid a été surestimé d'un facteur 10. La maladie était donc 10 fois moins dangereuse qu'estimée par la propagande. La vérité était du côté de ceux accusés de complotisme, ceux qui sont raillés par De Chavannes, ceux qui sont raillés par Patrick Cohen. Ils ont menti sur tout. Et ils viennent encore à la télévision nous donner des, le des leçons. Mais surtout, ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils sont solidaires de la censure. Donc, censure de RT, mais. Par exemple, on a appris que le ministre de la Culture ou de l'Inculture, je ne sais pas, vous choisissez le terme, Rima Abdulmalak, ministre de la Culture de l'Inculture, menace à demi-mot les patrons et présentateurs de C8 et CNews de ne pas reconduire leur autorisation de diffusion, notamment s'ils ne respectent pas le pluralisme des opinions. On aimerait en effet que sur les chaînes de France Inter, de France Culture, voire de C'est à vous, il y ait une pluralité d'opinions et notamment. Qu'il y ait sur les plateaux de ces chaînes des journalistes qui représentent la réinformation. Parce que l'entre-soi, c'est devenu insupportable. Surtout quand il est gavé d'argent public. Bon, on le sait depuis le World Economic Forum, il faut absolument que l'information soit contrôlée. D'autant plus que Macron est dans une passe difficile où D'ailleurs, vous avez remarqué que Macron a complètement disparu des écrans radars là depuis quelques temps. Alors, on apprendra certainement quelque chose dans les jours qui viennent. Il y a quelqu'un qui m'a susuré quelque chose à l'oreille. On verra si cette information est vraie. Je la donne pas parce que ça pourrait être de la diffamation. Donc, j'attends d'avoir un peu plus de nouvelles. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à vous abonner et puis à m'écrire hein, si vous avez des choses à dire. J'essaie de répondre le plus que je peux. Voilà, merci à vous et puis à bientôt pour, une, pour un nouvel entretien.